Salut tout le monde, c'est Obidio, j'espère que vous allez bien. Écoutez-moi, ça super aujourd'hui, toute nouvelle vidéo sur Minecraft. Et donc aujourd'hui, très simple, on va faire un concept que je me suis dit qui pouvait être pas mal. On va devoir survivre à une invasion de mobs qui va avoir plein de squelettes, d'araignées et de zombies qui vont spawner. Donc voilà. Donc en tout cas, j'espère que ça vous plaira. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et bah, c'est parti. Déjà en fait je me suis fait un petit starter pack, donc voilà, je vais le prendre tout de suite. Donc on a jusqu'à la tombée de la nuit pour se faire une base, donc on va se la faire ici. C'est vraiment une petite base assez stylée. Et après j'aurai juste à appuyer, donc j'ai fait un petit système. Ah mince, j'ai pas de bouton. Alors attendez. Au pire on va s'en crafter un juste après. Faire un bouton en pierre. Alors, donc là ce qu'on va faire c'est que dans une première étape on va crafter... pas mal de ressources et tout, on va se faire un petit stuff et par la suite on va se faire du coup ce qu'il faut pour survivre. Alors, donc je fasse déjà, c'est qu'il faut que je crafte un bouton pour lancer l'apocalypse zombie. Un bouton en bois, normalement il me faut un bouton en pierre. Comment on fait un bouton en pierre? Ouais, parce que je vois qu'on peut faire des boutons en bois mais je vois pas de bouton en pierre. Quoi? Ah, il nous faut un bloc, ok, donc faut que je fasse cuire un bloc, ok, faut que je fasse cuire un bloc de cobble. On va faire ça tout de suite, ok. Ça c'est nickel. Donc maintenant on va se faire, je pense qu'on va partir sur une petite épée en pierre. Déjà on va se faire du bois. J'ai pas de pioche. Non, j'ai pas de pioche. J'avais pas de pioche dans le starter pack. Ok, on va se faire un peu de ressources. Alors, j'aurais bien voulu prendre le coffre. Bon, c'est pas grave, on va le prendre après. Alors attendez, il faut que je trouve un petit peu de cobble. Là-bas il y en a, avec du charbon en plus, c'est pas mal ça. On peut pourquoi pas essayer de se faire un petit briquet si j'aime pas. On va voir. Déjà faudrait peut-être qu'on trouve du fer, ça serait pas mal de trouver du fer. Alors je vous ai dit, dès que la nuit tombe les amis, c'est là que ça va devenir compliqué parce que dès que la nuit tombe je vais devoir lancer le système. Le système comme ça, au pire pour si vous voulez plus d'épisodes où j'améliore ce système et je fais spawn plus de monstres et ça part un peu encore plus en steak. Avec un système automatisé, tout ça, je pourrais le faire. Vous me le direz en commentaire. De toute façon, si je vois qu'il y a pas mal de likes et tout sur la vidéo, je ferai justement un autre épisode. Donc c'est pour ça, on va se faire un petit objectif. Voilà, un petit objectif sympa. On va se faire, je sais pas, 10 likes. 10 likes, c'est facilement atteignable. Donc je compte sur vous pour atteindre les 10 likes. Ok. Donc en tout cas, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour voir l'apocalypse de mobs là. Vous allez voir, ça va être pas mal. Comme je vous l'ai dit, hein, le système, hein, bien sûr, il est perfectionnable. Il peut être bien mieux encore. Je vois qu'il y a une poule ici, on va la tuer. Hop, comme ça fait de la bouffe, même si j'ai déjà 64 steaks. Oui, pareil, au niveau des starter packs, n'hésitez pas à dire des modifications, des choses à ajouter ou à enlever. Si vous voulez que je mette moins de nourriture pour un peu corser la difficulté, ou que je fasse des choses comme ça, dites-le moi. Ça pourrait être pas mal de savoir. Ok, donc déjà on va se faire un petit carré comme ça. On va se faire des fenêtres. Pour pouvoir taper les mobs. On va pas trop s'en faire non plus parce que je rappelle qu'il y a des archers dans les mobs qui vont spawn. Donc faut faire attention. Normalement j'ai mis des échelles. Ouais, j'ai mis des échelles dans le starter pack. Hop. Ok, donc on va se faire un petit truc comme ça avec une petite tour en haut. Et hop là. Donc là voilà, on se fait un petit perchoir comme ça on pourra tirer avec notre arc sur les ennemis. Juste là, on va mettre des toiles d'araignée partout autour. Mince, quand on les casse ça fait du fil. C'est pas grave. Là, comme je vous l'ai dit, on va en mettre partout autour. Mince. Ouais, on en met sur la majeure partie, on va dire. Ok. On va se faire une petite épée en pierre. Ok, sinon je pense que c'est bon. Au niveau des trappes, on peut faire des pièges. Alors, on peut faire un truc qui est bien, que je faisais pas mal. C'est un trou comme ça, très simple. Mais vous allez voir qu'il fait le taf, parce qu'en fait, faut savoir que les mobs détectent pas quand il y a une trappe comme ça. Du coup, eux, ils vont marcher comme ça et ils vont tomber là. C'est vraiment une maison de fortune. Mais c'est pas l'esthétique qui compte là, ça va vraiment être l'efficacité. Alors,
Espérons que ce sera très efficace. Hop. Ok. Ouais, c'est vraiment un fort de guerre là qu'on est en train de faire. C'est un truc vraiment de protection. Donc l'esthétique compte très peu. Ok. Donc maintenant, on a le tour, enfin le toit, le du haut quoi. On a un petit piège devant, on a pas mal de choses. Ici, je voulais mettre un petit bloc de slime. On va faire, c'est qu'on peut se faire un petit escalier pour que les mobs montent. Mais comme ça, on les attend en haut et on les frappe avec une épée. Ok, le soleil baisse. C'est bientôt la nuit, mine de rien. Le soleil est pas mal bas. La lune va pas tarder à arriver. La luminosité, elle baisse légèrement. Je pense pas que vous le voyez au niveau du rec, mais ça se voit légèrement. C'est tout léger. Ok. Donc, on fait notre petit escalier, comme je vous l'ai dit. Comme ça, les mobs, ils vont monter par là. Et nous, en haut, on va les attendre. Oula, là il commence vraiment à faire nuit par contre, il va falloir que je me dépêche un peu. J'ai même pas d'armure. Parce que là vraiment... Non. Ça va vraiment être hardcore parce que... Il va vraiment avoir beaucoup beaucoup de mobs. Alors si je pouvais au moins me faire une armure... Non, il a même pas de robe de cuir. Il drop pas de cuir? Oh les bats. Bon ben les amis, malheureusement c'est l'heure. Je vais devoir... Attendez, non, non, non. Attendez, parce que là, si je lance maintenant, on est mort. Hein. Je vais le lancer dans quelques secondes. C'est parti, on va craft le bouton et on va le lancer. Les amis, je stresse. Ok. 3, 2, 1. C'est parti. Attendez quoi? Attendez. Il y a eu un problème là. Attendez, je crois qu'il y a eu un problème. Le système est cassé. Alors... Oh, c'est parti! C'est la fin. C'est la fin, c'est la fin, c'est la fin, c'est la fin. Les araignées vont nous rush de partout. Il y a des monstres partout. Oh, je suis tombé. C'est la fin, les amis. Là, c'est vraiment la fin pour le coup. Oh yes, ils se battent entre eux. Non, 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 non. Vite, 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 cours, cours, cours. Aïe, 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 aïe. On va peut-être arrêter le système là parce que là, déjà, c'est un peu le bazar. Non, je suis mort, je suis déjà mort, non. Vite, il faut que je récupère mon stuff. Il faut qu'on casse le système. Ok, j'ai cassé le système déjà. Oh, il y a même des gars avec des tridents. Aïe. Quoi, j'ai même vu des archers avec des tridents. Oh, je suis mort. Je suis mort, je suis mort, je suis mort, c'est la fin. C'est tellement le sbul. Oh, mais c'est la fin, j'aurais dû faire une base beaucoup plus grosse. Oh, ça lag et tout. Oh, y'a un bébé. Y'a un bébé avec un répéteur de redstone dans les mains. Oh, aïe. Oh, mais c'est la fin les amis, ça lag, je vais mourir, y a rien qui va. Y a rien qui va. Je passe en plein milieu, je passe en plein milieu. Non, je suis mort, je suis mort, je suis mort, je suis mort. Eh oui, non mais, what, mais c'est beaucoup trop dur. Attendez. Oh, aïe. Non, laissez-moi tranquille. Aïe, je suis mort, je suis mort, je suis mort, c'est la fin. Bon, attendez, ce que je vais faire, c'est que je vais couper mon tol... Non, ah, lâchez-moi, lâchez... C'est parti, j'ai refait le système. Alors, vous voyez qu'il y a de la TNT. Vous allez vite comprendre pourquoi. C'est parti. Vite, 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 vite.
Ok, là on est dans notre base, là c'est bon, on est un peu en sécurité. Vous allez comprendre pourquoi il y a de la TNT les amis. Espérons que ça fasse pas trop de dégâts. Ok, ça va. Pour l'instant j'ai l'impression qu'ils se battent plus entre eux qu'autre chose. Oh, oh non non, ils m'ont fait tomber. Ils m'ont fait tomber. Non, non. Ok, vite, 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 vite. Faut que je re-rentre dans ma maison vite, par contre, parce que là, sinon je vais dead. Oh shit. Il y en a partout. Vite. Aïe. Ok, ça a explosé, ça a détruit le système. C'est bien ce que j'attendais. Par contre là, il y a les araignées, elles font que monter. C'est un peu relou. Ça dégage. Je me suis mis un petit effet de night vision aussi. Par contre, je vais bientôt. J'ai plus d'arc déjà. Les gars, c'est. Attends. Wow, wow, wow. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va corser un peu la difficulté. Est-ce qu'il me reste ma pioche? On va casser cette porte en fer. Attends, non, on peut faire ça directement. Forcément, il a fallu que je la mette sur un bloc de cobble. Shit. Aïe! Il monte aux échelles, je savais pas. Non, 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 non. Ok, merci. Merci les frérots. Aïe 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 aïe. Ils font très mal, ils font très mal. Ils font très très mal. Il reste quasi que des zombies. Il reste que de ça quasiment. Ok. Oh, un zombie là. Bah alors frérot, qu'est-ce qui t'arrive? Non, pas le bébé. Je déteste les bébés zombies, ils sont horribles. Aïe! Aïe! Il me tape à travers, non mais. Ça va, c'est pas trop des cheaters. Il y a un squelette. Il monte aussi aux échelles, mais tout le monde monte aux échelles, c'est nouveau. Allez, mais. Barrez-vous! Lui, il a une flèche dans la main, je sais pas pourquoi. En tout cas, mes défenses autour elles servent beaucoup. Wow. Aïe. Mais attendez, mais. Aïe. Ok. J'ai voulu faire le malin, je me suis fait back par une araignée. Ok. Encore des bébés zombies. Aïe. Non, non, non. Aïe! Je suis mort. Vite, je vais casser l'échelle comme ça, ils peuvent plus monter. Sinon, là, je suis mort. Là, il y a une araignée qui monte. Maintenant, je suis mort. Oh, je suis mort. J'ai un cœur. Ok. Oh, je l'ai éclaté. Aïe, mais quoi? Mais il a réussi à me taper? C'est bon, il est parti. Il est pas parti. Du tout, même. Ok. Je crois qu'on s'en est sorti. Attends, toujours un zombie. Me dites pas. Oh, mon piège a tellement marché. Oh, mais le piège a tellement marché, les amis. Quand je vous ai dit qu'il captait pas qu'il y avait un trou quand c'était comme ça. Mais du coup, attendez. Là, j'ai envie de voir. Est-ce qu'on peut reconstruire le système ou pas? Ou ça, ou mon système pour le casser était vraiment trop bien. Aïe. Satané mob. Ok. Mince, j'ai tout cassé. Alors, attendez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tenter de réparer un petit peu le système. Oh. Ok, il est mort. Mais je pense qu'on a gagné. Hein.
Il reste un peu son nez dans Minecraft, donc c'est carré, c'est le cas de le dire. Pardon, désolé. Je ne referai plus cette blague. Non, franchement, je trouve qu'on s'est bien débrouillé. J'essaierai d'améliorer un petit peu les systèmes pour qu'il y ait encore plus de mobs qui spawnent. Enfin, je vais essayer de trouver des améliorations à faire. Ou même des nouveaux concepts. En tout cas, si cette vidéo vous a... Ils m'ont cassé mon casque. Ils ont presque cassé toute mon armure. Donc si ce concept vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. C'était Obijawa. Moi, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.